tout le monde aime les brackets amateurs, c'est vraiment une très bonne occasion, parce que bon voilà, il y a certains joueurs qui sont extrêmement bons, qui s'assurent tout le temps de passer en bracket. Mais quand on débute ou quand on s'appelle, on peut également faire parfois le bracket amateur. Alors, ils sont partis extrêmement vite. On a Yos contre Gilu. En winner side. Ça c'est sûr. Oh là 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 là, Yos. Mais backer, backer, reverse upper. Encore un backer. Oh là 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 là, mais quel stock, quel stock. On voit du très bon Falcon ce soir, c'est vraiment très très plaisant. Il y a de la qualité. Joli le nerf qui passe au-dessus de la dash attack. Et un dash attack de main, c'est vrai que c'est pas une si bonne distance, c'est lourd. Et au niveau de la hitbox, c'est qu'il sort très bas. On va préférer peut-être parfois un down tilt. Le père qui passe, le père qui passe. Cette fois-ci, c'est le weak knee jab. Joli, joli. Il garde son sang-froid. Encore un qui passe. Ce sera une stock. Wow. Upper, upper, Yos qui joue de manière très safe. Le knee pas forcément garanti, il préfère jouer à l'upper. La roulade dans le bon sens pour esquiver ce smash. Il réussit à choper quelques coups, mais malheureusement, avec ce side kick, il laisse Yos bien trop proche. Hein, et c'est comme ça que Yos permet de choper un grab. Très bonne façon de la part des joueurs. Gilu qui contre-attaque parfaitement. On sent que Yos a plus d'action, mais bon, situation de difficulté, non, il reprend le tilt. Gilu qui... Oh là, le tilt, il est un petit peu trop loin, c'était pas mal. On vient sur stage, le spot dodge, j'ai fini dans ce match, et ce sera encore une stop prise par Gilu. Deux stocks chacun. De retour direct. Ouais, là, vraiment, cette première game est très serrée. Qui va prendre l'avantage? Joli. On est notre chip droit. Oh, le petit, deuxième petit qui passe. Joli à ce qu'il reprend son souffle. Et qui contre-attaque à son tour. Que fait le joueur? Ce backer qui whiff. Vraiment tellement de changements de direction dans ce match, incroyable. Ce smash qui est lancé trop tôt. Gilu avec la relevée sur place et le spot dodge qui esquive les deux coups lancés par Yos. Là on est dans le mind game les gars, on est totalement dans le mind game. Le smash qui passe encore. En la grabant et il a réussi à convertir sur une stock en force. Et prof control, je suis totalement d'accord. Hein. Welp, sorti du très très lourd tout à l'heure, je suis encore choqué. Et là, on a Yos qui justement utilisait cette même vitesse pour choper Gilu. Ouais. Joli, Yos qui réussit bien à revenir. Contre qui permet de changer drastiquement le sens de la game. Retour en neutral. Oh, ce upper qui le scoop là rapidement depuis le sol. Passe pas. Joli. Pas fini. Il réussit à choper l'edge et revenir sur le terrain. Oh là là, c'était très beau ce spot dodge qui a évité de se prendre un missile dans la figure. Dios qui sait pas comment. Tu vois. Three.
Encore beaucoup de travail sur cette première seconde game. Je commence sur Pokémon Stadium. On va dire que c'est beaucoup. Ce up smash qui est bien placé, je pense ça va. Spotter, hein, que je choisissais marche depuis tout à l'heure. La mec raté qui est puni. Jaune, voilà. Depuis Edge. Encore un deuxième. Enfer pour essayer de lancer. Et tenter les mix. Le mix de DI. Je vais faire un coup, c'est pas une stock, il en prend une derrière direct. Il mash out. Phantom ce soir, c'est bien bien chaud, ça fait plaisir à voir. Jab jab. Comme ça y est, on peut reprendre la spot. Joli le grab sur ce jab. Yos qui commence à... Ouh là 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 là, il commence sa séquence. Et la deuxième fois, il a reprend une stock. Il est là qui a juste besoin de choper une dernière pour choper cette game 2. Il nous emmène en game 3. Oh, joli trade. Du regain. Situation. Offstage. Oh là 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 là, c'était très joliment tenté de la part de Yos, mais un petit peu provoqué et ça coûtera sa dernière fois. J'espère que vous appréciez le Falcon que vous voyez là, parce que là on a vu très bien. Falcon, ça fait plaisir. On a vu tout à l'heure. Maintenant on a Yos. Ça commence, oh là là. Yos qui est parti suivre quand même, il a failli choper son follow-up en malgré sur River Smith. Le nerf, le upper qui permet de détendre le combo encore. Toujours le upper. Liu qui vieille très bien de manière à pouvoir revenir facilement. Et à cet upper qui sera cette fois-ci suffisant pour prendre la sauve. Voilà, des down qui font assez peur ailleurs. On descend, il tape le shield. Joli, il y a ce qu'un petit peu revient. Tout juste assez là, parce que c'est ça. Il s'approche en voilà. On est trop sûr. Il faut sécuriser ses stats. Je veux dire, le mec qui sera pas sur assez rapide. Enfin, comme ça, regarde. L'avantage malgré ce full jump qui fait un peu mal. Je comprends parfaitement maintenant comment je vais à quel moment. Ouh là là là. Et ouais, là c'est vraiment une situation très tendue deux fois de suite. Deux situations d'edgehog, que va-t-il faire?
frappe bien le sol. Un autre smash qui passe pas, mais le nerf juste derrière lui, oui. Ah non, j'aime beaucoup la manière de Yoz, parce que ses backers sont assez safe. Hein. Il dépasse bien loin sur le shield, en profitant bien des hitbox disjointes. Et c'est encore un peu trop tôt pour le jog, et c'est pas grave, il réussit quand même à prendre la chute sur le backer. Ah là, c'est dur pour l'invincibilité. Heureusement, on réussit à reprendre. Ouh, le reverse nerf. Oh, oh là, 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 mais les séquences de Yoz, on se lance, ce smash qui fait très très mal. On récupère le coup de chaud, mais ce sera pas assez. On est déjà prêt pour les jobs. Voilà, situation un petit peu difficile pour Yoz. Patek raté. Il y a de l'attaque derrière. Tilt. Le riz grave derrière. Il se positionne parfaitement. Et ce sera la fin. Game 3 qui va à Gilu. Gilu qui s'est pas accroché jusqu'au bout. Ah, arraché cette troisième game. Alors, va-t-on avoir le poireau? Tu vas jouer contre Gilu? Oh là là là. Va-t-on voir encore du Gilu? Mais toi, après, j'ai gagné mon nom sur toutes les... Le mec n'assume pas sa popularité. Mon Twitter est mort. Mets-toi, faut aller changer de place, s'il te plaît. Ouais, voilà. Ça m'arrange. Merci.